Yo les rageurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'ouvrir les premiers boosters Évolution Céleste de la chaîne. Enfin, c'est arrivé. J'ai connu ça sous le nom d'Evolving Sky il y a quelques mois de ça. Et là, c'est devant moi. Je suis très hypé pour ouvrir tout ça. Bon, j'ai pu choper que des kits stratégie de combat pour le moment. Ils ont coûté 39,90€, ce qui est raisonnable, je trouve, là où je les ai pris. Par contre, quand je vois sur certains sites, dont je ne citerai pas le nom, que ces kits coûtent 55€ à monter ou des displays à 299€, je trouve que c'est de l'abus total capital. Bref. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, vous, par rapport à ces prix qui flambent en fait. Et nous, on se retrouve juste après le générique pour s'ouvrir tout ça. À tout de suite. Re, et sans plus attendre, on va s'ouvrir ces fameux boosters d'Évolution Céleste. Longtemps que je les attendais. Et apparemment, de ce que j'entends dire, c'est l'extension qui vaudra le plus cher cette année. J'ai des doutes quand même. Pour la simple et bonne raison qu'il y a les 25 ans qui arrivent. Voilà, je vous donne les petits QR codes là, tranquille. Alors, 1, 2, 3 et 4. Et on est parti avec une énergie type Psy. Bagaïde, Ursaring, Caverne de Cristal, Lupio, Soloshi, Titrouille, Carvana, Tournicoton, Monaflémite et nous avons. Ah, on a quelque chose. Oh, Noctalie V, magnifique, punaise. Elle est belle, première ultra rare d'évolution céleste. Vraiment, ça fait super plaisir. Et on commence très bien, évolution céleste avec une évolution. On enchaîne. Voilà, ce petit code, 2, 3, 4. Énergie, eau, diamate, floravol, roy, ou roi, granipot, paricool. Je vais un petit peu vite alors que l'extension vient de sortir. J'adore ce décor qu'il y a derrière. Flabébé. Carvana, Krabicoc, ça aussi je trouve joli. Pokémon, non, mais bon. Batrachné, et en dessous, on a un Dratatin. Il y a un Pokémon qui est pas très joli. Hein, j'aime pas ce Pokémon. Il y a des Pokémon qui ressemblent à rien, quoi. Oh, c'est dur d'ouvrir les boosters. Ils sont bien relous. Hop, 2, 3, 4. Énergie métal, hypnomade, vigorote. Il ressemble un peu à Chifourse. Lombré, titrouille, carvana, tournicoton, passe rouge. Bagiguane, mélange multivitaminé, et pour terminer, on a un gigalite non brillant. Mais les boosters sont ultra chiants à ouvrir. Hop. Énergie, plante, aquaquac, gants de caoutchouc, copieuse, émolga, tentacool, titrouille, drabi, love disc, milobélus en reverse, elle est magnifique cette carte, franchement, elle est classe. Et en dessous, on a... Oh! 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 Alternative, exactement celle que je ne voulais pas. Charmina, pardon, V alternative. Non mais c'est du foutage de gueule, hein. On n'aurait pas pu me donner un Dracolos, on nous donne le Pokémon le plus moche. Oh là là, bon, c'est bien, tant mieux, on a une alternative.
Mais mon dieu, pourquoi j'ai pas eu un Dracolas ou un truc comme ça ou un Rayquaza? Merde! Oh là là, première ouverture alternative. Alors je vous la montre d'un petit peu plus près. Ouais, elle est plutôt jolie, hein, mais c'est le Pokémon qui me botte pas du tout, du tout, du tout. Allez, on continue. Finesse, les boosters sont ultra relous à ouvrir. Énergie, feu, rouleau du dragon volant, 1000 points, et brésilion, lanterne, hippopotasse, tritonde, et lionceau, et oh, la Evoli est magnifique, elle est très belle, punaise, sur les toits et tout, elle est géniale, j'adore la carte. Bombidou, pressé de l'avant en reverse, Dratak en reverse, très 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 belle carte en holographique, ça doit bien donner, ça doit bien rendre ça aussi. Ok, et en dessous, on a... Incroyable! Oh! Une secrète, c'est pas possible! Roy, secrète, arc-en-ciel! Mais c'est juste insane! C'est juste insane! Oh là là! Quitte évolution, là! Ça déchire sa race! Oh là 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 là! Incroyable! Allez, on continue, on est dans une bonne lancée, là, franchement, je suis très content. Je regrette pas d'avoir pris ces petites évolutions là. Hop. Oh là là, je suis à l'envers. 1, 2, 3, 4. Voilà. Allez, on continue. Notre ascension. Énergie ténèbres. Énergie trésor. Elle est très belle cette carte, j'adore. J'aimerais bien la voir en holographique. Badge au ruban. Ça en gold, c'est pas mal aussi. Serait pas mal. L'énergie. Mais les cartes sont vraiment cool. Love Disc. Grabicoque. Hippopotasse. Zorua. Et Psychoquack. Titrouille en reverse. Et en dessous, on a un Sharpedo. Cette carte me fait flipper quand même. Hein. Moi, je déteste les profondeurs comme ça. Et en plus, quand il y a des requins dedans, laisse tomber. Laisse tomber. Allez. Pour l'instant, on n'est pas tombé sur une seule holographique. C'est un peu space. Mais bon, moi, je dis tant mieux, hein, quelque part. Hein. Peut-être là. Énergie, combat. Jouer, attrapeur. Roy. Seracrawl. Passe rouge. Bagiguan. Hippopotasse. Triton. Et Lionceau. Ça me fait passer au Roi Lion avec le soleil et tout derrière, c'est stylé. Culbuto qui est en reverse, et en dessous, on a un Tangalis qui n'est pas holographique. Ok, bon. Dernier booster. Punaise, les gars, si on chope un Rayquaza, là, c'est le pompon. El pompon. Oui, c'est bon. Toc, 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 toc. Énergie type métal, guerriègle, gobelet d'échange, tentacruel, furéglon, soporifique, flabébé, nodulite, voilà les cartes débordent, psychocoac, valise de secours, c'est le truc le plus pourri que j'ai vu jusqu'à présent, et en dessous on a, what, décéliandre V, on a ouvert 2, kit pré-release et on a 4 ultra rares, mais c'est juste insane le ratio quoi. Bah écoutez, c'était une très bonne ouverture, un très très bon début. 4 ultra sur 8 boosters, c'est une ultra tous les deux boosters, ouais. C'est juste incroyable quoi. Bref, portez-vous bien, on se retrouve très bientôt pour d'autres ouvertures Évolution Céleste. Et ciao!